Bonjour à tous. Et en ces temps d'écriture inclusive, tous, ça veut dire toutes et tous, hein en français, dans le texte. Bon, je suis, nous sommes Philippe Lapousterle et moi, très heureux, euh, non pas de vous retrouver parce que on ne s'est pas quitté, mais très heureux d'ouvrir ces journées. Des idées mènent le monde. J'étais très ému le jour où on a ouvert le, les inscriptions euh, parce qu'il y avait une file d'attente de 50 mètres dans la rue toute la matinée et au-delà euh, et, et, et sous la pluie. Euh, et donc le, le stoïcisme de vous tous, de celles et ceux qui attendaient, montrait le prix. Que cet événement que nous avons créé, Philippe et moi, a à vos yeux. Euh, un mot de, au fond, la philosophie de cet événement. Nous avons voulu une chose très simple c'est la plus haute exigence populaire. La plus haute exigence populaire dans la qualité des intervenants, euh, des réflexions, des échanges, dans l'approfondissement. Euh, par exemple, nous avons refusé de faire ce que tous les euh, salons ou toutes les journées de ce genre euh, euh, préfèrent, c'est-à-dire des affrontements, des combats de coq euh, entre des personnalités. Euh, qui s'opposent même artificiellement, et ça fait euh, euh, du scandale et ça fait euh, aussi évidemment euh, du buzz, comme on dit. Euh, et donc, nous, nous avons voulu que les personnalités que nous invitons euh, puissent exposer le plus profondément possible leurs pensées, leur itinéraire, leur histoire et au fond ce que. Elles ont, au cours du temps, appris du thème ou autour du thème que nous allons traiter. Et je suis très fier, nous sommes très fiers, Philippe et moi, que cela ait rencontré euh, le public si nombreux que vous formez. Des milliers et milliers de personnes qui viennent tous les ans euh, pour cette rencontre et qui trouvent quelque chose pour eux-mêmes. Pour leur réflexion à eux, pour leur vision du monde à eux. Et c'est donc très, très précieux. Ça, c'est la, la première chose que je voulais dire. Parce que je crois, et je crois que c'est la même chose en architecture, je crois que c'est la même chose en urbanisme, je crois que l'élévation de pensée en matière de ville, la beauté de la ville, l'esthétique, le la profondeur de la réflexion, tout cela est un besoin de l'âme humaine. Cette formule qui est de Simone Veil, la philosophe, euh, qui, euh, qui, vous le savez, a eu ce destin incroyable, euh, un besoin de l'âme humaine. Et je crois que ce besoin de l'âme humaine libère et permet à nous tous, conscience, personnalité, de se révéler, de se révéler à soi-même. Donc voilà le premier but de ces rencontres. Le deuxième caractère de ces rencontres, vous le savez bien, c'est qu'elles sont entièrement composées de bénévoles. Euh, le, le, ceux qui les organisent, ceux qui y participent, euh, viennent là parce qu'ils y trouvent, pour eux-mêmes et pour nous, quelque chose qui est de l'ordre du sens de, de la vie, du plaisir, de, de l'intérêt à rencontrer et à raconter. Et je suis très fier que nous ayons fait ça. Troisième motif de fierté, je ne crois pas qu'on puisse réunir, que soit réuni ailleurs un plateau chaque année de la qualité de ceux que nous, euh, que nous invitons ici. Euh, dans une minute, vous allez découvrir la vie extraordinaire de Daniel Cordier. Ce matin, nous avons euh, à la mairie dévoilé une plaque en souvenir de cette euh, incroyable aventure qui a commencé à peau dans le péristyle de la mairie, où Daniel Cordier, pas encore âgé de 20 ans, a réuni tous ses copains pour euh, protester contre la capitulation. Le discours de Pétain, je vous rappelle, euh, annonçant l'armistice est euh, 48 heures auparavant. C'est le premier acte de résistance en France, sur le sol national, et c'est chez nous, dans le péristyle de la mairie. Parce que le maire de l'époque, M. Verdenal, apprenant que la manifestation de Daniel Cordier, qui était le fils d'un de ses amis, était interdite par le préfet et que la police allait s'en occuper, leur a dit ⁇ Venez à la mairie, parce que là, les policiers ne viendront pas. ⁇ Et c'est ce qui s'est passé, le lent, dont ils étaient peut-être 200. Le lendemain matin, 17 sont partis à Londres avec Daniel Cordier en allant s'embarquer à Bayonne. 21 juin 40 au matin. Passion mesure le caractère unique de cet événement et de cette vie qui a été, comme vous le savez, racontée dans ce très grand livre à succès qui a eu le prix Renaudot, qui s'est appelé alias Caracalla, euh, et, que, et dont Philippe va évidemment vous parler. Voilà. Et Robert Badinter lui succédera. Figure historique, deux figures de, de notre histoire contemporaine. Euh, qui sont l'une et l'autre, euh, je crois, marquantes pour tous les esprits au-delà de toutes les opinions. Euh, et c'est donc pour nous, et, et c'est la même chose avec les philosophes, c'est la même chose avec les psychanalystes, c'est la même chose avec les médecins, c'est la même chose avec les chercheurs, c'est la même chose avec les scientifiques, c'est la même chose avec les musiciens. Tous ceux qui viennent ici sont choisis sur deux critères. Le premier, qu'ils nous plaisent. Et le deuxième, euh, que nous considérions qu'ils sont à la hauteur euh, de l'exigence que nous voulons pour euh, euh, le public de, de cette ville et de cette région. Voilà pourquoi je suis très fier, parce que derrière cela, euh, je le dis, euh, vous voyez, exigence bénévolat, ouverture à toutes les euh, situations sociales et culturelles. Derrière cela, il y a un projet de société. Ce n'est pas seulement euh, un événement culturel comme ça en passant. C'est l'idée qu'on se fait de notre vie en commun dans une ville qui se veut et qui a toutes les raisons d'être reconnue comme exceptionnelle. Merci à tous. Les idées mènent le monde. Le maire avait juré de faire sept minutes, vous imaginez. J'étais inquiet. Et voilà, il a tenu parole. Une fois de plus, mais bon. Sur ce terrain-là, ça ne lui est pas facile. Merci beaucoup d'être là. Et je reprendrai à mon compte ce que François dis, disait tout à l'heure de l'émotion qu'il a ressentie lorsqu'on lui a annoncé que vous étiez nombreux au premier jour de la réservation. Et parce que j'ai eu le même sentiment, d'abord précédé par un étonnement, et ensuite c'était un sentiment de, de fierté. Parce que, euh, voilà, se dire que sous la pluie, des gens, des gens étaient venus assez nombreux pour être là. Pour être là, c'était euh, quand même qu'une partie du Paris avait réussi. Et je voulais juste dire que... Une telle attitude nous oblige. Parce que si vous étiez là nombreux, il faut que durant ces trois journées, euh, il faut que les choses qui y soient dites correspondent à vos attentes. Alors on a tout fait pour, évidemment. Euh, le, le sujet est intéressant, les gens qui, qui viennent, euh, François Bayrou l'a dit, sont tous d'une qualité exceptionnelle. Donc nous avons fait... Euh, notre maximum, le maximum que nous pouvions faire pour correspondre aux espérances qui sont les vôtres. Et je, je voulais vous dire à, à ce sujet juste une chose. Euh, lorsque, à l'initiative de François Bayrou, Les idées mènent le monde, le titre est de lui, il a inventé le titre, euh, les idées mènent le monde ont été donc décidées par lui et qu'il a eu la, la gentillesse de m'associer à son élaboration. Euh, on avait une certaine idée, comme disait le général, on avait une certaine idée de ce que, de ce que ça pouvait être. Et ceux qui ont transformé l'idée qu'on avait de ce que ça pouvait être en véritable idée, ceux qui l'ont concrétisé, c'est vous. Et pour moi aussi, c'était une surprise et une émotion. Pas seulement cette fois-ci, les autres fois déjà. Parce que lorsqu'un événement de ce genre est lancé et qu'il devient non seulement un succès à Pau, mais un succès reconnu ailleurs, puisque tous les gens qui sont invités à Pau rentrent à Paris ou ailleurs, d'ailleurs, en disant à Pau c'était formidable, les gens étaient très intéressés, il y avait une atmosphère émouvante, il y avait des gens qui, qui, qui s'intéressaient vraiment à ce qu'on disait. On a eu des conversations après les rencontres qui étaient extrêmement intéressantes. Bref, Pau est maintenant discuté. Euh, Pau est maintenant annoncé comme un événement dans la vie culturelle par tous les éditeurs parisiens et par euh, une grande majorité de gens qui appartiennent à l'élite intellectuelle, l'élite entre guillemets, parce que ce n'est pas péjoratif dans ma, dans ma bouche, bien évidemment. Disons aux gens qui ont une influence culturelle. Et ça, ça, c'est quelque chose qui prend d'habitude beaucoup de temps. Et vous, vous avez fait que ça a été fait et rapidement fait. Alors, parce qu'on peut proposer ce qu'on veut. Si vous, Paloise, Paloise venant d'ailleurs, vous, vous n'êtes pas là répondant aux offres qui sont faites, c'est raté. Voilà. Alors, je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur pour avoir permis qu'un projet espéré puisse se réaliser. Voilà. Merci beaucoup.